Les Américains sont présents en force à Venise comme les années précédentes. En effet, les deux derniers Longs d'Or sont allés à The Joker et No Man's Land. Et cette année, c'est l'acteur américain Oscar Isaac qui tient le haut de l'affiche avec deux films, Dune et The Card Counter, aux côtés de Tiffany Haddish dans le dernier film de Paul Schrader, le vieux complice de Martin Scorsese. La présentation à Venise est pour eux l'occasion de retrouver le public. Ce que j'attends avec impatience, c'est de m'asseoir dans un cinéma avec des gens. C'est la chose la plus excitante et que je n'ai pas fait depuis presque 2 ans. Par contre, tu sais que le taux d'occupation est de 50%, c'est déjà ça. The Card Counter est un thriller haletant sur fond de vengeance et qui raconte l'histoire d'un ancien interrogateur militaire devenu joueur, mais hanté par les fantômes de son passé. Encore un concurrent sérieux pour le Lion d'Or. All in. You count cards, right? I'm not that smart. But you win. Une autre star qui fait vibrer les fans et les paparazzi sur le lido est Timothée Chalamet, découvert dans Call Me By Your Name. Il joue aux côtés d'Oscar Isaac dans le très attendu Dune de Denis Villeneuve, la nouvelle adaptation du roman culte du même nom. Le film est présenté hors compétition et sortira prochainement en Europe. Dune est l'adaptation du chef-d'œuvre de science-fiction de Frank Herbert qui raconte l'histoire du fils d'une famille noble chargée de protéger la galaxie et de la sauver des forces du mal. Le Festival du film de Venise se termine le samedi 11 septembre.